bienvenue sur une nouvelle vidéo. Enfin, bienvenue sur la chaîne YouTube Scooter Mec à boîte. Aujourd'hui, vidéo assez particulière. Je vais vous présenter une chaîne YouTube sur la voiture sans permis. S'il y en a que ça peut aider. Normalement, le lien, je l'avais partagé dans une de mes vidéos. La chaîne YouTube, ça s'appelle Bruno Devine. Attendez. Donc, c'est cette chaîne YouTube là. C'est une chaîne YouTube sur voiture sans permis. Hein, donc, sur sa chaîne, c'est principalement une voiture sans permis, microcar Virgo 3. Mais il est vachement calé. Au niveau de la voiture sans permis, il a également un forum que je vous invite à aller voir. Un forum sur Facebook. Donc, attendez, je l'affiche. Donc, le forum, c'est ça. Donc la chaîne YouTube, c'est Bruno Devine. De toute façon, vous allez, si vous voulez savoir son forum, si vous voulez aller dans son forum, vous allez sur sa chaîne YouTube. Bruno Devine, c'est B majuscule R U N O espace D majuscule E V I N E. En fait, c'est son prénom et son famille, sa chaîne YouTube. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, vous allez dans l'onglet « À propos », c'est l'onglet qui est juste à côté de « Chaîne ». Et vous allez vous descendez, en fait. Là, vous avez la description de sa chaîne YouTube. Vous descendez et vous allez dans les liens. Donc, il y a le lien de son Facebook et le lien de son forum. Moi, j'ai été sur son forum. Merci le focus. J'ai été sur son forum, le problème, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le contacter sur son forum, mais ça marche pas. Enfin, pour moi, ça marche pas, du moins avec le téléphone portable, parce que j'ai pas un très très bon téléphone, on va dire. Si jamais ça marche pas, vous allez sur son Facebook, et vous le contactez directement sur son Facebook, c'est ce que je fais moi. Vous essayez au moins de lui demander pourquoi que ça marche pas. Peut-être que lui, il arrivera à vous débloquer. Moi, ça marche pas, c'est à cause de mon téléphone. Voilà, donc vous allez abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il est vachement calé sur la voiture sans permis. Moi, c'est tout ce que j'ai pu refaire sans la mienne. C'est un petit peu grâce à lui que j'ai pu le faire. Quand j'ai eu mon problème de liquide d'enfroidissement où je pouvais pas faire mon niveau, mon maximum, je pouvais pas faire le plein de mon radiateur parce que dès que je mettais le moteur en roue, ça ressortait par le trop-plein. Moi, j'ai pas eu ce phénomène-là sur les deux roues. Puis c'est un phénomène qu'on ne peut pas avoir sur deux roues, de toute façon. J'y ai posé la question de quoi que ça pouvait venir. Il m'a répondu comme quoi que ça pouvait être le joint de culasse, ça pouvait être plein de trucs. Il m'a dit vérifie quand ton moteur est en route si ça fait des bulles. Et exactement, ça me faisait des bulles. Il m'a dit joint de culasse. J'ai démonté la voiture, hein, j'ai démonté la culasse, j'ai changé le joint de culasse. Et c'était bien le joint de culasse parce que j'ai jamais eu ce deuxième problème après. J'ai eu une fuite d'eau, mais c'était pas en rapport avec ça, c'était une durite, la durite supérieure qui a pété, tout simplement. Car encore une fois, la voiture a été refaite par un incompétent avant moi. Mais il m'a aidé sur ce problème là, il m'a aidé sur problème de réglage de carburant parce que j'avais la voiture qui fumait noir. Il m'a dit t'as trop de débit de gasoil, j'ai rebaissé le débit, plus de problème. Il m'a aidé sur plein de trucs. Franchement, si la voiture actuellement roule, c'est un petit peu grâce à lui, hein. Donc allez à vous abonner à cette chaîne YouTube là de ma part. Si ça vous intéresse, vous allez vous abonner à sa chaîne, vous mettez de la part de Scooter Mecaboîte si vous voulez, hein. C'est vous que ça regarde après. Si vous voulez le mettre ou pas, c'est pas mon, voilà, c'est vous que ça regarde.
Mais allez vous abonner à cette chaîne YouTube là, franchement il fait de la vidéo sur la voiture sans permis. Si là vous avez des questions sur la voiture sans permis, c'est à lui qu'il faudra demander, parce que moi comme je vous ai déjà dit, c'est pas mon domaine. Lui saura vous répondre. Bah, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo les amis. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Bruno Devine. Je vous mets le lien en description.